Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 5 de notre Let's Play Marine Passion Décoration et du coup le dernier épisode de ce petit Let's Play, ou presque, puisque comme je vous l'avais dit, il y aura un épisode bonus qui se fera avec ma copine conjureuse. Voilà, on va faire une petite compétition. On se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, pour faire un épisode compétition. Donc il y aura la partie 1 sur sa chaîne et il y aura la partie 2 sur la mienne où on aura les résultats et du coup on verra la compétition en deux parties. Je vous en dis pas plus, mais vous allez voir, ça sera vraiment cool. Et du coup, on se retrouve tout de suite avec ma Sim 7 qui est niveau 6 et je ne l'ai pas montée plus parce qu'on a débloqué déjà pas mal de petites choses. Aujourd'hui, on va faire un épisode où on va rénover tout un endroit et on va encore une fois essayer d'y rajouter un petit challenge, mais on verra le challenge selon l'endroit et selon ce qui est possible d'être fait. Alors, on se retrouve avec ma petite Sim Self qui est avec tout simplement Sélénée qui râle comme d'habitude. Elle va lui faire quelques petits câlins et en attendant, enfin du moins quand elle aura décidé de le faire. D'ailleurs ça, je vais aller le jeter. Tiens, tu vas aller nettoyer. Et on va choisir un contrat. Donc on a déjà fait les rénovations de pièces et on a fait de façon aléatoire. On a fait les rénovations de pièces précises. On a fait les trucs où il fallait rajouter des pièces. Maintenant ce qu'on va faire, on a fait aussi les rénovations d'étages. On a fait à peu près tout. Hein. Normalement j'ai rien loupé, mais ça on verra par la suite. Et du coup on va faire une rénovation de soit cuisine, salle de sport, café, salon et de cuisine. Je pense qu'on va partir sur une rénovation entre les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer au sort, même si mon cœur irait plus pour la rénovation de café. On a la petite fenêtre juste en haut. Je tourne, on a salle de sport et café. Je ferme les yeux, mais vraiment, je voudrais le café parce qu'à la salle de sport, j'ai grave la flemme. Oh, c'est bon, on a eu le café. Oh là là, je suis refaite. Très bien, café, ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Et du coup, café. Je pense qu'on va tout faire aléatoirement aujourd'hui, comme ça au moins. Ça sera vraiment drôle. Ah bah moi j'ai cru j'y allais direct. Je vais m'occuper de ma petite Simset, qui est comme d'hab pas très bien. Je vais la faire cuisiner parce que c'est un peu ma routine, comme je l'ai dit, hein, manger boulot dodo. Sauf que en prime en fait on a cuisine. Voilà, chose que je ne fais pas dans la vraie vie. Il n'y a pas l'onglet cuisine dans la vraie vie avec moi. Il va avec l'onglet empoisonnement, vous voyez. Donc, j'évite. Du coup, pour l'occasion, je me suis aussi changée. J'adore cette petite robe. J'ai fini par mettre celle avec le col roulé. Bien sûr, Boris est à mes côtés. Vous l'avez vu au début. J'ai toujours chaud. C'est pour ça. D'ailleurs, ça fait glam, vous voyez. J'ai les cheveux dans le vent. Mais Boris est là et je la vois en col roulé. Et je ventile. Je me sens pas très bien. Mais c'est pas grave. Attends, parce qu'il va te voler ton assiette, Victor. Moi, je le sens gros comme une montagne. Hein. Je vais finir de manger et je vais aller parler avec Victor. Victor qui est figurant dans cette série. Racontez une blague, on va lui raconter une blague. Il est figurant dans cette série, mais sachez qu'on a une série en live sur Twitch où je joue avec mes Sims et il est moins figurant. Voilà, là on est à l'étape où on a fait des bébés. J'ai eu des jumeaux. Voilà, Max et Elliot, mes petits-enfants. Je les aime, c'est faux. Mais du coup, ils sont passés bambins là, il y a pas longtemps. Et c'est un peu comique. Donc si vous avez Twitch et que vous voulez venir me voir en live souffrir avec mes deux Sims qui du coup ont fait des enfants. D'ailleurs, on a aussi les chats. On a une nouvelle maison qu'on a construite tous ensemble. Je vous mets le lien de Twitch. C'est très comique. Vous savez que moi et les enfants, ça fait 12. Donc voilà. J'en ai eu deux. J'ai rien fait pour en avoir deux. Hein. J'ai juré qu'il y avait rien qui multipliait les chances d'en avoir deux. Mais c'est pas le sujet. Il est temps de se lever, il est temps de manger un repas rapide parce que j'ai oublié de ranger ma nourriture, tout va bien. Et une fois que j'aurai mangé, je pourrais peut-être papoter un petit peu avec toi, même si du coup le temps défile et je n'ai toujours pas mangé. Je vais essuyer ça, ça m'occupera. Le temps d'aller faire ma rénovation, style de vie obtenu, proche de ses amis. Ah bon, tu trouves? Moi j'avais l'impression d'être associable, mais c'est pas grave. Oh, attendez, je comprends pas. Ah mais c'était dimanche. Mais je me suis fait arnaquer, mais attendez. Mais pourquoi mon truc il était pas le lendemain? Oh là, je comprends plus rien moi à cette histoire. Bon bah on se retrouve quand c'est beau hein, parce que là, faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Faut pas jouer avec mes nerfs. Hein. Allez, c'est good, il est temps de partir travailler. D'ailleurs à la fin de l'épisode, je pense qu'on fera un petit topo sur, bah, sur le pack, étant donné que l'on aura fini ce petit pack. Et ce let's play par la même occasion. On arrive au café, donc je vais pause deux secondes. On est d'accord que le but c'est rénovation d'un café, donc je dois rénover tout ça. Il doit y avoir la dame qui a été envoyée, la dame ou le monsieur. Le mec qui s'en occupe, il a dû venir, j'espère. S'il vous plaît, il n'est pas encore là. Je vous jure que s'il n'y a pas le client, je rage quitte. Je vais prendre des photos avant en attendant. Hein. Écoutez, on sait jamais. Moi après sinon, je prends carte libre, hein. Mais bon je voudrais quand même faire une réussite. Pour le dernier épisode. Je suis encore en train de chercher mon client, c'est-à-dire que là, c'est problématique. S'il vous plaît, where is my client? Si j'ai pas de client et que j'ai pas de réponse à mes questions,
Est-ce que ça veut dire que j'ai carte blanche, mais en même temps, est-ce que j'ai envie d'avoir carte blanche quoi? Parce que là, je peux déjà aller en mode construction. Donc ça veut dire que le client n'est juste pas là? Oh, c'est toi? Non, pas du tout. Je suis déçue. J'ai eu un faux espoir. Delgato, où es-tu? Delgato, m'entends-tu, quoi? Delgato nous chie dessus. Voilà, très clairement. Je disais donc qu'il était temps de passer en mode construction. Nous n'avons donc pas ce genre de choses, donc ce genre de choses s'en va. Voilà. Et écoutez, on va faire parler la roue. La roue nous aidera, elle, contrairement à d'autres. Donc, je vais écrire toutes les couleurs, ça sera pas la couleur principale, mais ça sera comme quand il nous propose une couleur, entre guillemets. Voilà, update. Je tourne la roue, ça sera, je vais en faire 4 de roue. Donc on est sur du gris, comme la fois d'avant. Très bien, le gris, pourquoi pas. Je vais noter un mot d'ordre, pas un style, plus un mot d'ordre comme bois, pierre, moderne, il y aura des styles dedans, hein, mais vraiment, il n'y aura pas que des styles. Voilà, j'ai mis 3 styles et 3 mots d'ordre, entre guillemets, moderne, ancien, bois, pierre, verdure, île. On va tourner la roue. J'ai eu quoi? J'ai eu île. Ok, donc ça va partir sur un truc assez île et assez naturel. Il faut que je note ce genre de choses, en fait, parce que je vais oublier. Ensuite, j'ai mis des compétences. Peinture, lecture, logique, jeux vidéo, tricot, photo, musique, danse et sport. J'ai pas tout mis, mais j'ai mis les trucs qu'on pourrait tout simplement trouver dans un bar. Enfin, c'est pas un bar, c'est un café. On a eu la compétence logique, ok. C'est pas la compétence que je préfère, mais bon, au moins, elle est là. Je vais le tourner une seconde fois, comme ça au moins j'aurai ma dernière case. Et j'ai eu sport, très bien, logique et sport. Bon bah why not, c'est moi qui voulais pas faire une salle de sport. Je suis conquise, très bien. Bon bah au moins j'ai mes critères. Et let's go, on va pouvoir construire. Je vais garder ça parce qu'on a le budget. Et je vais passer au jour. Par contre c'est vraiment horrible comment c'est pas éclairé dedans. En fait c'est éclairé, c'est le sol qui est horrible, c'est ça. Voilà, on va partir sur un sol comme ça. On a dit qu'on partait sur un truc des îles, donc je pense que du bois et des couleurs assez comme ça, là, ça pourrait être pas mal. Voilà, donc j'ai mis tout ça. Au niveau de l'extérieur, je sais pas trop si je vais y toucher. Je pense que je vais rénover surtout l'intérieur. On n'est pas là pour refaire la façade et je pense qu'il faut qu'on garde quand même une certaine logique de Windenburg. Je vais mettre des tabourets, donc quand il n'y a pas forcément de dérivé, j'essaye tout simplement de trouver un truc qui pourrait aller bien. Par exemple, du coup, pour les meubles, je vais prendre les meubles de jungle, je pense. Je ne sais pas encore de quelle couleur je vais les mettre parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de lumière dedans. Je ne sais pas si c'est... Ah, mais c'est peut-être à cause de ça. Non, mais ça éclaire même pas ça, en fait. Pour un café, on a besoin de ce genre de choses. Je pense d'ailleurs qu'on va tout simplement garder celui-ci, puisqu'il ne doit pas y en avoir d'autres. Je vais monter ça. Je vais remettre ça de... enfin, normalement. Donc là, on aura des petites chaises ici, avec des petits trucs là comme ça. Ici, on aura une autre zone avec des tables. Je m'occupe de faire le brouillon. Ceux qui me connaissent, vous êtes habitués. Là, dans cette zone, du coup, on fera la zone de logique, je pense, avec quelques trucs de sport. Puisque normalement c'est censé être la zone des clubs. Et là on aura les toilettes. Très bien. On a toujours une lumière horrible. Je suis désolée, je sais pas d'où ça vient. Ouais non, les éclairages sont allumés quand je regarde hors jeu. Donc je sais pas pourquoi ça ne fait de la lumière que dans les autres pièces. Ici, on va mettre de la pierre pour faire un petit peu le côté des îles. Je vais essayer de trouver des tables un peu plus sympas. Je vais mettre une petite table comme ça, une petite table comme ça. J'ai pas oublié qu'il fallait du gris, vous inquiétez pas. Je le réserve pour les chaises. Je vais aller dans couleur et je vais mettre gris. Je vous avoue que j'aurais bien aimé avoir une couleur un peu plus... Ah voilà, on va mettre des petits trucs comme ça. J'aurais voulu avoir une couleur un peu plus flashouille, un peu plus présente. Mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Je voudrais faire des petits coins cosy. Je vous avoue que c'est très problématique, le fait qu'il n'y ait pas de lumière. Enfin, personnellement, c'est en train de surtout plus m'embêter qu'autre chose, malheureusement. Donc j'essaye de faire des petits coins cosy, par-ci, par-là, de poser les tables. Mais comme j'ai l'impression vraiment qu'il fait nuit dedans, c'est horrible. Vraiment très très désagréable. Je vois rien, ça me donne pas du tout envie de construire. C'est l'épisode du chaos. Au secours! On a de quoi boire son café, etc. Il me reste 4000. Je vais utiliser ces 4000 pour rénover les autres pièces. Vraiment, avec de la lumière, ça rend beaucoup mieux, quoi. Mais là, les lumières font pas de truc. Et du coup, le problème, c'est que je peux même pas mettre un lustre et me rendre compte de ce que ça donne. Le jeu m'a dit non. Il sait, en fait. Il a compris que j'allais l'abandonner après. Et du coup, il m'a nexté. On a dit ici sport et logique, donc je vais enlever ça et mettre un bureau. Ensuite, je vais mettre des trucs d'échecs. Je vais le mettre juste ici derrière. Là, l'idée des canapés est pas trop mal, mais je vais pas mettre cela et peut-être que je vais en mettre qu'un.
Voilà, il me faut des trucs de sport. Je vous jure que le pire, c'est que je me donne du mal pour respecter mes propres règles. Mais je sens que au bout d'un moment, ça va me dire « T'as fait n'importe quoi, Marine. Dégage !» Pour le sport, je pourrais grave mettre des tapis de yoga. Genre en mode un petit tapis de yoga ici, un petit truc comme ça avec un ballon là. Voilà, j'ai fait un petit mur de tableau gris par ici. J'aime trop ce tableau là. Il est quand même beaucoup mieux que ce truc vert. Bon ben voilà, j'ai terminé. Le budget est assez serré donc c'est pas forcément facile, surtout pour faire un challenge et tout comme je le faisais. Mais je pense que c'est good. Bon, cette pièce est horrible. C'est la lumière, je suis désolée, mais sans lumière je n'arrive pas à construire. Ce n'est pas concevable. Voilà, donc ça ressemble à ça. On a un petit côté un peu des îles tout en gardant le côté bar et le gris, etc. Donc c'est très dur puisque tout ce qui est truc d'île n'a pas de gris et inversement, ou du moins très peu. On a ce couloir qui n'a pas changé, les toilettes où j'ai juste changé les meubles pour mettre les mêmes meubles que là, etc. Et on a la pièce juste ici, qui est la pièce normalement du truc. Donc vraiment, il n'y a rien de fou. Je pourrais rajouter 2-3 plantes à droite à gauche. Le problème, c'est vraiment le budget que je ne peux pas dépasser, quoi. Déjà, le fait que ça bug et tout, voilà. Mais bon, ça encore, disons qu'on est habitué. Voilà, mais bon, voilà. De toute façon, cette construction ne m'aura pas du tout respectée. On va pouvoir passer au verdict, même si, sincèrement, j'y crois pas. J'ai pas touché à l'extérieur, j'ai laissé les tables et tout. Pour en gros, dedans, t'es immergé, mais vers de l'extérieur, t'as toujours le même délire. Et let's go, c'est parti. Prendre des photos après. Je vais aller prendre des photos là-bas. De toute façon, si ça bug pas, c'est un miracle déjà si le monsieur revient, puisqu'il n'est déjà pas venu. On pourra le rencontrer comme ça. Mais à contrario... Je pense que même si... Enfin, je suis pas sûre. Enfin, je n'avais pas du tout les critères, donc je sais pas si le fait de ne pas les avoir enclenchés, ça fait que je pouvais faire un peu ce que je voulais, mais compliqué. Vous voyez, en fait, je ne peux pas appeler le mec, quoi. Mais reviens. Bon, bah écoutez, c'est que mon client ne peut pas me blairer. Mon client ne veut pas. De toute façon, je peux juste quitter. Là est bien le souci. Je sais pas si en attendant le soir, ça va faire grand-chose. Mais oui. Mon client ne veut pas venir et mon client ne veut pas partir. Mon client me déteste. Je vais attendre jusqu'à 20h que mon client vienne et sinon, bah tant pis. Pour la dernière rénovation, nous aurons eu roue libre jusqu'au fait que le client, voilà, il n'existait pas en fait. Ok, mais voilà, du coup, le contrat aura fait que ma truc a bougé. Enfin, c'est négatif. C'est la première fois qu'on a du négatif, mais en même temps, vous l'avez bien vu, le mec m'a littéralement... Je suis tout le long. Je vais rentrer chez moi et c'est sur ça que l'on va clôturer ce let's play. Voilà, il aura été tout bien tout le long. Et le dernier, il m'aura fait des doigts. Comme d'hab, quoi. Mais bon, au moins, on aura construit. It's okay. Et comme ça, on peut clôturer le petit let's play sur mon ressenti par rapport au pack. Donc, le pack, personnellement, vous avez vu tout le long, j'étais très contente, très hypée. Personnellement, j'adore la construction, donc j'étais très contente de pouvoir jouer et rénover en même temps. Cependant, voilà, le pack est rempli de bugs. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pourrais pas dire si ça vient de mon jeu ou du pack en lui-même, étant donné que je sais qu'on est nombreux à avoir des bugs, mais j'ai aussi beaucoup de CC. On m'avait dit que le MCC faisait bugger, je l'ai enlevé pour cet épisode et ça a été encore plus bugué que tout le long, tout le reste des autres épisodes. Donc si vous voulez le pack pour le gameplay, il faut vraiment vous dire qu'il faut aimer la construction. Par rapport aux meubles, personnellement, je les adore. C'est des meubles que je kiffe. Je n'ai rien à dire dessus, alors que c'est du moderne et normalement je ne fais que très peu de moderne, mais ça me donne énormément envie de construire en moderne. Pour le gameplay, c'est très répétitif, il faut aimer construire. Moi je sais que j'ai été hypée du début à la fin parce que j'adore construire, mais si c'est pas trop votre dada et que les trucs répétitifs ça vous plaît pas forcément, je vous conseillerais pas le pack. Après, pareil, si les bugs vous énervent et tout, je ne vous conseillerais pas le pack. Comme j'ai dit, je peux pas être sûre que ça vienne du pack et non pas de mon jeu, mais à contrario, je sais que ça arrive à beaucoup de personnes, et je pense que nombreux sont ceux qui n'ont pas forcément énormément de CC. En tout cas, j'espère que ce let's play vous aura plu, que cette dernière construction chaotique également, perso, sans la lumière, c'était horrible, on s'est tapé bug sur bug, c'est pas l'une de mes préférées, elle était clairement pas folichonne. J'espère vraiment en tout cas que ce petit let's play de 5 épisodes vous aura plu. Si ça vous plaît, on le fera pour d'autres sorties de pack, etc, sachant que là, ils ont annoncé, il y a un petit moment déjà, mais à l'heure où je tourne, c'était il y a pas longtemps, le pack à la ferme. Sachez qu'il y aura bien sûr un let's play là-dessus, c'est un pack que j'attends depuis très très longtemps. Je vous fais plein de bisous si ce let's play et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve bientôt pour la compétition avec Conju et je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein plein de bisous, merci d'avoir suivi ce let's play, vous êtes vraiment les meilleurs et je vous fais encore une fois plein de bisous.